comment qui s'appelle quand tu es ringolo mm -hmm. mm -hmm. voilà tasse, voilà Tass qui qui pile elles sont en pilage elles sont en aïe 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 le soleil la tape même Como é que se fala, cante. Gengo-lo, cante. Como é que se fala, cante. Gengo-lo, cante. Uh -huh. Como é que se fala, cante. Gengo-lo, Gengo-lo, cante. Venha, posicione Como é que se cante. Rengulo, rengulo, cante. Comment qui s'appelle Kanté? Hengolo, Hengolo, Kanté. J'arrive un instant, positionnez-vous. Comment qui s'appelle Kanté? Hengolo, Hengolo, Kanté. Allez, 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 comment tout va, tout va, tout va, tout va bien, tout va, tout va, tout va, tout va bien. Tout va, tout va, tout va bien, tout va, tout va, tout va, tout va bien. Comment allez-vous? Comment allez comment allez-vous? Tama, comment allez-vous?

Mmh. Un thé chaud. Voilà une maman qui porte son enfant dans le dos. Elle porte son enfant dans le dos. Coulo Coulo coolo. C'est Quel débat aujourd'hui. Bonjour, mon frère Patson. Bonjour, je vais vous saluer. J'étais en train de faire un truc vite fait dassez là. Et so, cool. Bon appétit, mon grand. La vieille La vieille prend déjà sa place. Salam, frère, oui, bonjour, bonjour. Olivier, mange change d'opérateur, s'il te plaît. Je change rien du tout. Je change rien du tout. Je bug. Bonjour, mon frère Patson. Maintenant, j'ai TikTok. Hein. Avant, j'avais Tok. Maintenant, j'ai mis dessus. Quel débat aujourd'hui. On va parler. Ne vous pressez pas. Nous, tu nous amènes où aujourd'hui Il est amené chez toi. Eh, hey, c'est Taki. Eh, hey, Taki. J'adore Taki. Taki. Salut à toi. Taki, lui, n'est pas d'abord américain. Quand vous parlez anglais, ça l'énerve. Salut, le grand. Salut. Ah, Hamada hmm, les Hamada wow grand Sol, slow Marco yes papa Olivier salut à toi bien et toi bien bien Mamad ouais tu, tu as vu Nana Oussa, j'ai vu Nana ou ça ha ha, ha, ha ha je bois monter jusque là hmm. bon on va parler sérieux parce que moi, j'aime bien parler cache-cache. Il n'y a pas mon air. Je ne te donne pas mon air. J'ai vu, un, il y a un, un bâtard là. Laissez-moi parler. il m'en fout. Il y a un bâtard là qui a mis commentaire sur les vidéos qu'on balance là. Mais les gens, pourquoi ils me fatiguent à dire pas de ça Tu dénigres l'Afrique. Et que maintenant, on ne va plus se laisser faire. Maintenant, en 2020, on laisse plus les gens que tu, tu fais le bouffon du blanc et que les blancs te donnent à manger. Le type, il parle. Écoutez-moi bien. Le gars, il parle de moi. Que je fais le bouffon pour que les blancs me donnent à manger. Demandez-vous où il vit. Il vit en France. Demandez son patron à quelle couleur. Blanc. Ses enfants vont à quelle école École de blanc. Il se soigne où Chez les blancs. Il dit Moi, je fais le bouffon pour que le blanc me donne à manger. Or, lui-même, il vit en France et il a demandé visa. Tout ça là pour venir en France. Où il est né ici à l'hôpital de Franc de Blanc? Est-ce ils sont. Est-ce que, Jérôme, est-ce que certains Noirs-là, ils veulent défendre l'Afrique, il faut qu'ils défendent l'Afrique sur des idéologies. Il faut qu'ils défendent l'Afrique sur des idéologies. Mais des imbéciles. Quelqu'un regarde ma, mon sketch et puis dit tu dénigres l'Afrique et tu gagnes ta vie avec ça. Quand Michel lève parle de l'Afrique, il, il est où quand les gens tuent des gens d'Afrique, ils sont où Arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder. Et en plus, il laisse le commentaire, il n'est pas assez intelligent. Il laisse le commentaire en disant Tu fais le bouffon pour le maître blanc. Écoutez bien, il dit Tu fais le bouffon pour le maître blanc. Écoutez bien, dans, ce qui, dans sa phrase-là, analysez la phrase Tu fais le bouffon pour le maître blanc. C'est-à-dire que quelqu'un lui-même. Il se dit inférieur puisqu'il traite le blanc de son maître. Alors moi, le blanc n'a jamais été mon maître. C'est ça la différence entre lui et moi. Non seulement il n'est pas assez intelligent pour comprendre que dans sa phrase, que moi, personne, il m'insulte en disant, je fais le bouffon pour le maître blanc. C'est qu'il reconnaît que son maître, c'est le blanc. Donc lui-même, c'est un bâtard jusqu'à demain matin. Ils comprenne il ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Un sketch, c'est un sketch. La comédie, c'est un métier, c'est l'art. Mais il y a des noirs ils ne comprennent pas. Tu es en France, tu vis en France. Tu n'es pas. Tu es salarié d'un blanc français et puis tu insultes les gens. Va chez toi, même chez toi, quand tu vas arriver là-bas. C'est pareil. C'est des gens qui n'ont rien réalisé en Afrique, ils n'ont rien fait ici, ils sont frustrés de la vie et ils découvrent l'Afrique en 2020 et ils veulent se positionner comme les grands défenseurs de l'Afrique. Il ne sait pas qu'avant ça, il y a eu des gens qui ont existé. Ils ne comprennent rien. Tu sais, c'est ça. Malheureusement, nous, les noirs, il y a certains de notre, de, 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 des noirs de notre communauté. Il ne faut pas leur donner l'intelligence. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas venir insulter que qu'il fait le bouffon pour gagner l'argent des blancs. Sachant pertinemment que lui-même dans son propre pays n'a jamais rien réalisé. Sachant pertinemment que lui qui dit ça là, tu vas vérifier son enfant est métisse. Lui qui dit ça là, tu vas vérifier celui qui me traite que je fais le, je fais le truc que le nègre de service pour amuser les blancs là. Tu vas chercher, il touche l'APL. Tu vas chercher, il touche les aides. Et malgré ça, c'est lui. Qui vient me traiter que moi je fais le nègre pour le blanc. Ceux qui font le nègre, il ne les connaît pas. Et en plus, c'est des couillons, mais inutiles, ils ne servent à rien. Depuis qu'il est en France, il n'est peut-être jamais allé chez lui. Ni dans son village, il n'a même pas acheté une cuillère pour donner à quelqu'un là-bas. Mais c'est eux qui veulent jouer les défenseurs de l'Afrique. Mais fermez vos gueules, vous n'êtes pas les défenseurs de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ces pour défendre l'Afrique. L'Afrique a besoin des gens qui investissent, qui travaillent, qui font du social, qui aident, qui investissent là-bas. Et la diaspora n'a pas besoin de cette tordue qui gâche notre vie, qui gâche la vie des autres, qui nous permet qui veut pas avancer et il passe leur temps sur les réseaux sociaux à faire des commentaires bidons. Pendant ce temps, il est au chômage, il profite d'un système. Hein qui? Il profite d'un système. Il a envie de dire aux Blancs quelque chose. Mais va leur dire directement. Pourquoi tu passes par moi? Chacun choisit sa vie. C'est des gens qui veulent défendre les Noirs, mais on ne leur a jamais rien demandé. Ils n'ont jamais manifesté. Ils sont jamais allés dans aucune association. Ils n'ont jamais rien fait pour leur pays, leur propre pays, même leur famille. Et ces personnes-là, c'est eux qui vivent encore dans des bâtiments où ils touchent la CAF, ils touchent des trucs. Et c'est les premiers qui viennent te donner des leçons en disant, arrête de faire le bouffon pour le blanc, tu fais rire le blanc en ridiculisant ton peuple. Moi, peut-être, je reculis mon peuple, mais je n'ai jamais tiré sur mon peuple. Ces personnes-là sont là, ils parlent. Et ce gars qui envoyé le truc, je soupçonne que c'est un, un jeune malien parce que son nom me fait dire ça. Le Mali a besoin de ses fils. Je ne l'ai jamais vu manifester pour les maliens, ni pour les Guinéens, ni pour les Sénégalais. À distance, ils ont la grande gueule. Ils chient sur la France, mais ils assis là. Mino, il faut que de temps en temps je parle. Il faudrait que les Noirs comprennent que ce n'est pas en 2020 qu'on devient avocat de l'Afrique. Il y a des gens qui ont été avocats de l'Afrique depuis l'aube des temps, la nuit des temps, comme on dit. Et d'autres sont encore plus avocats de l'Afrique que ces branleurs, ces imbéciles. Qui mangent même pas leur repas et qui viennent mettre la zizanie en histoire de blanc de maître en 2020, tu parles encore de maître. Et il n'a pas honte. Il va voir mes sketchs et il fait des commentaires. Ce sont des aigris, des jaloux. Il mourra dans sa pauvreté parce qu'il n'a aucun combat, il n'a aucun projet et la communauté n'a pas besoin de ça, et surtout la diaspora. C'est des gens qui sont sur tous les réseaux sociaux. Ils remarquent un petit truc. Boum Pourquoi tu parles de l'Afrique Pourtant, ils font rien. Ils font rien pour l'Afrique. Leur propre pays, ils font rien pour leur pays. Au lieu de venir me traiter moi, envoie un courrier à Macron. Parle avec Macron. Parle avec les politiciens. Tu sais où ils sont. Les gens qui vont en Afrique, qui font des choses. Appelle-les. Les chefs d'État africains. Appelle-les. Mais moi, personne. Petit couillon. Dans une petite salle où je gagne un peu pour nourrir ma famille, tu viens te déverser sur moi. Je ne suis pas malheur de tes problèmes. Tu appelles les blancs les colons. Tu es chez eux. Moi, le jour où je décide de ne plus parler aux blancs, je prends mon train ou mon avion. Je vais dans mon village. Mais tu ne peux pas être chez quelqu'un et dire que tu le détestes. Pourtant, tu te sers de cette personne. Et c'est réciproque pour des blancs qui sont en Afrique, qui ne nous aiment pas. Ils n'ont rien à faire là-bas. Tu peux pas être quelque part en disant Je n'aime pas la personne. Mais pas. Pas. Son patron, c'est un blanc. Et puis, il Moi, je fais le bouffon pour amuser. Je t'emmerde trois fois, multiplié par deux. Ça fait beaucoup. Même aux idiots. Ben oui, il faudrait qu'on trouve un système. Quand quelqu'un est idiot, on demande tu coches, idiot, intelligent ou bête. Et cela même, il devrait même plus passer. Non, ils détruisent, ils foutent, ils foutent les hésanies entre les peuples. Parce que quand quelqu'un va entendre ce connard, ils vont penser que c'est c'est l'idée de tous les noirs. Ils vont penser c'est l'idée de tous les noirs. Et à travers eux, on nous juge. Domingos, salut à toi. Ils sont pleins comme ça sur les réseaux. À peine tu pètes, c'est les premiers. Pourquoi tu as pété comme ça Pourquoi tu as mangé ça Pourquoi tu as fait ceci Ils sont avocats de rien du tout. En plus, c'est des bouffons. Comme quelqu'un m'envoie un message depuis le Congo pour m'insulter, moi, au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans le nord du Congo où les femmes sont violées, des trucs violentés, au lieu de t'occuper de moi, occupe-toi de ton pays. Tu n'as même pas à manger, tu viens m'emmerder moi. L'autre il est à Paris, il insulte les blancs. Qu'est-ce que tu fais chez eux T'as qui C'est la vérité. Tu es chez les gens, tu les insultes. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as un problème avec un blanc, tu lui dis Mais ce bouffon, il travaille, son patron, c'est un blanc. Donc j'avais besoin de mettre tout au clair. Ce n'est pas ceux qui défendent l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ces tordus pour être nos avocats. On est capable de parler. Il y a des vrais Africains intellectuels, chercheurs, des gens qui sont allés à l'école, qui sont prêts à parler à la place de l'Afrique. Ces bouffons-là, on leur donne la parole et on pense qu'ils représentent les Noirs. Non. Il y a une vidéo qui tourne que les anglophones ont fait. Magnifique vidéo. Voilà des gens qui sont dans l'avancée. De notre communauté. Mais pas des tordus qui sont sur les réseaux sociaux. Insultez-les, boycottez-les, bloquez-les sur vos réseaux. Et quand les journalistes arrivent, c'est qui me fait mal. C'est à ces personnes, on leur donne le micro. Ceux qui nous dénigrent là, c'est à eux, on donne le micro. Non. Moi, je dis ce que je pense. C'est à eux, on donne le micro. On dit nous représente. Mais non, ils créent des isanies entre les peuples. Il y en a des mauvais chez les blancs, il y en a des mauvais chez les noirs. C'est les mauvais qui créent des isaniens entre nous. Ils ne veulent pas qu'on avance. Comment tu peux dire, oh, oui, les blancs, eh, les eh, tu fais le, le bouffon pour les blancs. Mais tu es chez eux. Conard. m'énère. L'Afrique n'a pas besoin de défenseurs comme ça. L'Afrique a besoin de chercheurs, investisseurs, économistes, euh, biologistes. L'Afrique a besoin de ses enfants de vraie valeur. Pas des tordus qui sont sur Internet à insulter tout ce qu'on fait. Tu penses qu'on construit l'Afrique seule Dans un monde, l'Afrique seule L'Afrique a besoin du monde. Le monde a besoin de l'Afrique, mais tordu, fils de... J'ai même pas envie de dire ce que je voulais dire derrière là. Je respecte trop. Les, 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 les femmes de joie, pour dire ça même. C'est même pas leur fils. Mais oui, faut arrêter. On peut plus rien dire. On peut même pas se foutre de la gueule d'un... On peut pas rigoler de son frère. On peut pas rigoler de mon chien. Si tu dis, dans mes sketchs là, quel, où elle a battu, je dénire là. Tu insultes les blancs et chez eux. Ça, je n'ai jamais rien compris. C'est comme des, des blancs qui sont en Afrique et puis nous traitent mal. Ou bien des, des, des Asiatiques qui sont en Afrique et qui nous traitent mal. C'est pas normal. Vous venez chez quelqu'un, respectez la personne. On est en France. Moi, je me suis battu pour être dans ce pays. Non, tu fais le bouffon pour le blanc. Pourtant, lui, son patron, c'est un blanc. Et le matin, il se lève. Quand le, son patron dit va travailler, court. Parce que souvent même, celui-là, même, peut-être même, il est au chômage. Il touche les aides et puis il est assis, là, et c'est lui qui insulte le blanc. Comme on dit les Antillais, cogna maman ça dit dire merci. Ben oui. Et les gens pensent que c'est tout, c'est la pensée de tous les Noirs. Non, on ne veut pas de ça. Nous, nous on ne veut pas les gens négatifs. On veut avancer. Et souvent tu, tu vois son nom, il va dire ah je suis musulman, ah je suis catholique, il vais va à l'église. Quelqu'un qui va à l'église ne peut pas avoir une idée, des idées tordues comme ça. L'Afrique a besoin des gens qui veulent avancer. Avec les autres, on ne peut pas créer un monde. Que les Blancs seulement, que les Chinois seulement, que les noirs. Regarde Regardez le bordel que actuellement ça fait l'histoire du Chinois et puis les Noirs. Les Chinois, vous êtes 3 milliards. Il n'y a pas assez de place chez vous. C'est vous qui foutez. Vous allez frapper les autres. Comment vous allez venir chez les autres? Il faut y réfléchir. Il y a certains Chinois qui ne réfléchissent pas. Mais il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Putain de merde. Lu le... Moi, je lis les commentaires. Je lis les commentaires. Je lis les commentaires. Mais quand tu as quelque chose à dire à Patson là, viens me dire au théâtre quand je joue là. Tu m'attends la sortie, tu me dis en face. Je parle de qui? Ben... Attendez, je vous dire. attendez. Attendez, je, je vais vous donner son nom. J'arrive. Je reprends la vidéo. Il s'appelle IBN. IBN. IBN dit. Voilà. Voilà, j'ai posté. Celui qui va se faire des commentaires, plein de commentaires. Hier, j'ai vu plein de commentaires sur mes vidéos. Son nom-là, c'est un nom, soit Mali ou Guinée. Les Maliens souffrent, tu n'as jamais défendu ce pays. Nous, on a fait. Les Guinéens souffrent, si tu es de Guinée, tu n'as jamais rien fait en Guinée. Les Sénégalais souffrent, si tu es de Sénégal, tu n'as jamais fait. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des Africains, ce n'est pas des fils d'Afrique. On n'a pas besoin d'eux pour défendre l'Afrique. On a besoin de bonhommes. Voilà son nom, j'ai mis. Ibn Mahadi. Il vit en France. Je, on a fait les recherches. Il vit en France. Pendant que je vous parle, même peut-être il court en train de travailler pour un blanc pour avoir un salaire. Et puis, il insulte le blanc. Oui, oui, je suis allé chercher. On allait chercher son, son, son blase, j'ai mis là. Allez-y, chercher, vous allez voir. Comment tu peux insulter les blancs Si un blanc dit ça, on dit qu'il est raciste. Quand un noir dit, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un raciste. De la même façon, on combat les racistes blancs. C'est de cette façon qu'on doit combattre ce couillon-là. De la manière on combat les racistes blancs, c'est de cette façon. Tous les noirs doivent être solidaires pour combattre ce gars-là parce que c'est des extrémistes, c'est des gens qui foutent la merde dans le monde. Et tous les blancs doivent le combattre ce gars-là. Si vous savez où il est, dans quel boulot il est, si vous êtes blanc, méfiez-vous de ce gars parce que c'est un raciste. Il n'est pas, pas noir, il n'est pas de notre côté. Et si vous êtes noir, vous le connaissez, méfiez-vous de ce gars parce qu'il torpille notre communauté. Il est sur Facebook. Je l'ai bloqué. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Pendant que tout le monde essaie de, de, de créer une, so, une cohésion, une solidarité, tu penses que nous, les Noirs, on a besoin de ça c'est encore un noir qui vient insulter. Tous ceux qui ont montré des critiques là, aucun blanc m'a insulté sur mon Facebook. Hein. Le noir vient sur mon Facebook m'insulter. Pourtant, je partage les vidéos, on fait des dialogues, vous comprenez ce que je dis. Aucun blanc m'a insulté, à part un tordu qui était bourré, j'ai enlevé. Mais tout le reste, c'est que des noirs. Frustrés. Ça fait peut-être 30 ans. Ou bien ils sont nés ici. Ils n'ont jamais acheté une aiguille. Ils ne se sont jamais battus pour avoir une, un appartement ou un truc, ou même une roue de voiture pour eux. Et leur vie est gâchée, ils pensent gâcher la vie des autres qui réussissent honnêtement. Il ne Maï, Maï, faut pas laisser parler des imbéciles. Il faut leur remettre à leur place. Il faut, il faut leur mettre à leur place. Il faut trouver son Facebook, lui envoyer des messages. Parce que ces gens-là déteignent sur nous. Ces gens-là, ils sur nous parce que demain, il va faire une connerie. Excusez-moi, je vais vous un truc. Demain, il va faire une connerie. Il va avoir des problèmes avec la police. Nous, les Noirs, sans comprendre l'histoire, on va défendre ce connard-là. Notre force, on va faire des vidéos. Oui, regardez, il y a des policiers qui ont frappé un Noir, mon chien, sans savoir l'histoire. Or, oh, peut-être c'est lui qui était en tort. Je l'ai bloqué. Vous pouvez chercher sur d'autres réseaux. Je l'ai bloqué. Non, Sandra, je ne suis pas fâché, mais un moment, il faudrait que les gens se mettent dans la tête que les extrémistes sont de partout. Tu ne peux pas être en France, tu ne peux pas accepter qu'on traite un blanc de colon, de machin. En 2020, si avant il y en avait, il aurait dû exister. Moi, je fais mon métier, je fais mon boulot. De dire que je dénigre les noirs au profit des blancs et je joue le bouffon pour les blancs pour que les blancs ne me donnent à manger. Je ne peux pas laisser passer ça. Il me dit, moi, je, je, je joue le bouffon pour que les blancs me payent, pour que je mange. Mais lui, il est en France, il travaille pour les blancs. Il travaille pour les blancs, il vit chez eux, il touche des aides. Et il les insulte. Si tu ne veux pas que les blancs, tu ne veux pas des blancs, tu ne veux pas travailler avec les blancs, rentre dans ton petit village. Même dans ton village, tu vas toujours trouver un produit qui vient d'Europe. Comme les Européens, on trouve toujours un produit africain qui vient d'ici. On ne peut pas faire un monde sans blanc, sans ceci. Donc, ceux qui pensent que. En plus, il me dit en 2020, on ne laissera plus rien passer. C'est-à-dire qu'il vient de se réveiller en 2020 pour comprendre que l'Afrique est en souffrance depuis. Je ne suis pas fâché, mais il faudrait que vraiment on dise les choses. Parce que quand il y a la merde dans la communauté blanche, on veut que les Blancs règlent et nettoient leurs racistes. On se bat contre les racistes blancs. Mais battons-nous aussi contre les racistes noirs qui emmerdent nos frères blancs et qui pourrissent notre vie. Tu es sur Facebook. Facebook, là, ça appartient à son, son père ou sa mère. C'est les Blancs qui ont créé le Facebook pour que tu puisses venir insulter les gens dessus. N'autorisons aucun noir de notre communauté à insulter gratuitement les Blancs. Sinon, on est complice. Du racisme. De la manière qu'on combat le racisme, on doit le combattre partout. Si chez nous il y a des racistes, on doit les combattre. On doit combattre. Si un blanc fait injustement du mal à un noir, on lui tombe dessus. Blanc, noir, nous tous, on lui tombe dessus. Si un noir fait du mal à un blanc, sans raison, blanc, noir, on tombe dessus. On est contre l'injustice. Point. C'est comme ça qu'on gère. Mais tu viens pas défendre l'Afrique en disant des conneries qu'on fait le bouffon pour les blancs. Tu veux vivre un monde où tu es seul, mais reste dans ton village. Tu es en France, tu es à Paris, tu prends le métro, c'est tes parents qui ont réglé ça, c'est toi qui as payé. Souvent j'entends les gens, oui, oui on a l'uranium et puis machin. Mais l'uranium seul, ça te fait l'électricité. C'est comme le blanc qui a l'électricité. Il faut de l'uranium. Il faut que l'Afrique donne de l'uranium aux Européens pour avoir l'électricité. Nous, quand on a l'électricité, on lâche chez nous. C'est donnant, donnant. C'est des partenariats. C'est des respects mutuels. Il faut qu'on nous respecte, que nous, on les respecte. Mais n'autorisons pas ces connards à venir gâcher notre vie en disant qu'ils défendent les Noirs. Les Noirs ont besoin d'un bouffon comme ça pour les défendre. On a besoin de chercheurs, des gens, des gens, des têtes. Tiens, les gendarmes, ils ont attrapé un. Hein. On a dit ne pas sortir, il va rattraper. 150 euros. Vous entendez, non Voilà, on dit ne pas sortir, il sort. Et puis ce qui m'énerve même, c'est le mot, tu fais le bouffon pour les blancs, les maîtres. En plus, il dit, tu fais le bouffon pour les maîtres blancs. C'est qu'il reconnaît qu'il est inférieur, bâtard comme ça, c'est toi. Et j'ai écrit, j'ai dit, moi je ne suis pas inférieur. Les blancs ne sont pas mes maîtres. Voilà, huit grands, c'est ça, la justice, il n'y a pas de couleur de peau. Voilà, c'est tout. On combat tout le monde. Même dans notre communauté, si quelqu'un n'est pas bon, voilà. Bon, on va parler des choses sérieuses. Voilà, donc, suite à ça, je voulais vous parler, sortie de ce confinement, on va voir les séquelles, on va faire des analyses et tout. Moi, ce que j'aimerais bien proposer, à ma communauté et aux autres communautés. Il faudrait qu'on arrête de penser que les politiciens ou des machins vont construire. Adoptons un autre style de vie qui est une solidarité basée sur des vraies valeurs. Il y a des gens qui ont des terres en Afrique. Il y a des gens qui ont leurs parents, leurs ancêtres qui ont des terres et... Ils n'ont pas les moyens de mettre en, en valeur ces terres-là qui sont de la diaspora ou qui sont de là-bas. Et quelque part, tu as quelquefois une copine, une collègue, une très bonne amie qui est blanche, qui est jaune, qui est baron, bleu ciel, peu importe, que vous vous entendez bien, vous avez grandi ensemble, et que ensemble vous pouvez mettre de l'argent pour fortifier ces terres. Aujourd'hui, il y a des contrats partout, il y a des avocats partout. pour construire une maison. Une deuxième, monter une petite entreprise. Vous faites des va-et-vient. Vous achetez des terres, vous faites des choses. Même ici en France, c'est ta copine, vous étiez à l'école ensemble, vous vous connaissez. Tu es blanche, tu, elle est noire, peu importe. J'ai vu à Bruxelles quelque chose qui m'a frappé. Une jeune sénégalaise qui est, qui est née en Côte d'Ivoire ou qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui est à Bruxelles avec une copine blanche, une belge. Elles ont quasiment une rue. Elles ont ouvert des restaurants. Elles se sont associées. Elles ont grandi ensemble. Elles ouvrent comme des sœurs. On s'en fout de leur couleur. Elles ont acheté un restaurant. Après, elles ont acheté un deuxième. Après, un troisième. Elles gèrent carrément à Montongé. Il y a une rue à côté de Montongé. Mont une rue. Elles ont quasiment cinq restaurants. Faites ça. Faites ça. Bâtissez. Soyez responsables. Parrainer. Allez-y. Soyez sincères. Souvent des gens sont ici. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont dans la HLM. J'ai toujours dit, essayez d'acheter un bout de terrain. Ici, une terre. Restez pas tous à Paris, dans les grandes villes. C'est saturé. À une heure de Paris, à une heure de Bordeaux. À une heure de manchin. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à Bordeaux qui travaillent à Paris. Il y a des gens qui vivent à Paris qui travaillent à Bruxelles. Il y a des gens qui vivent à Paris qui travaillent à Londres. Il y a des gens qui vivent au Maroc qui viennent travailler ici deux heures d'avion. Pourquoi notre communauté, on n'est pas capable de faire des trucs comme ça Souvent, on a des idées, on n'a pas les moyens. Mais les moyens, il y a quelqu'un qui a des moyens qui n'a pas l'idée. Associez-vous. Tu sais, c'est ta meilleure copine. Depuis des années, elle te prête son rouge à, rouge à lèvres, ton phare à joues, elle te prête ses cheveux, elle te prête ses cilibres, elle te prête ceci. Tu lui dis, nous on a fait ça. Tu lui dis, copine, tu vois, tu es européenne, tu es de tu es, tu es Bretagne. Moi, je suis dans un petit village là-bas. Viens, on part en vacances, on regarde. On prend un bout de terre. Ce mois-ci, si on met de l'argent, on construit une maison. On met en location, ça c'est à toi, vous faites les papiers. Le mois prochain, on construit une autre, c'est pour moi, on fait les papiers, ça fait un 1. Après, on construit une autre, c'est pour toi, ainsi de suite. Parce que, je vous dis, les blancs français, vous qui me regardez, je pense à vous. Parce que si ça continue, vous n'aurez même pas de retraite, vous. Déjà, ce n'est même pas sûr d'avoir une retraite. Or, si tu as déjà quelque chose de ce côté, tu auras une retraite. Pas que les blancs, mais nous les noirs aussi. Les noirs qui travaillent là, ce n'est pas sûr d'avoir une retraite. Or, avec ta meilleure copine. Parce que toi seul, tu n'auras pas tous les mois fait tes dépenses ici et investi de l'autre côté. Mais à vous deux. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs en Afrique, des sociétés qui peuvent construire votre maison, ils ne vont pas bouffer votre argent. Vous avez des euh, notaires ou des huissiers qui peuvent récupérer vos loyers, ils ne vont pas bouffer votre argent. Des gens sincères sont là-bas. Des vrais avocats, vous pouvez signer un contrat. On ne peut pas tromper quelqu'un. Si vous donnez un malfrat, oui. Même en France, vous, vous tombez sur des malfrats. Mais si vous partez, vous faites et que vous aimez votre copine bien et que l'autre vous aime, il n'y a pas de trahison depuis tout petit. Vous êtes ensemble. Vous avez toujours été fidèles. Ces enfants connaissent tes enfants. Vous êtes tata, tata, ta Vous êtes tout ensemble. Montez des trucs. Montez des trucs. Rien n'est perdu. Ne dis pas oui, mais moi je suis en France. Euh, Rien n'est perdu. Peut-être aujourd'hui, demain, quand tu vas être à la retraite, tu ne pourras pas aller. Mais tes petits-enfants, s'il y a un problème en Europe, ils savent que maman, avec leurs tantes blanche ou bien noire, peu importe, on fait quelque chose là-bas. Ayez toujours une roue secours. Dans ce monde actuel, ayez des roues secours. Ça permet de créer des emplois là-bas. Tu fais une action sociale parce que tu... y a des salaires. Quand vous partez chaque fois, vous conseillez les gens, vous aidez les gens, ça dynamise le village. Il n'y a pas l'exode rural. Et c'est comme ça qu'on peut aider l'Afrique. Mais si on va en Afrique et qu'on prend un panier, on enlève tout le poisson, même les plus petits parce que les mailles du filet serrées, il n'y aura plus rien. Pensons à ce genre de choses. Pensons à ce genre de choses. Pensons. Pensez à ce genre de choses. Souvent, vous avez un copain, vous, ça fait 30 ans, vous êtes amis. Il vient chez vous, vos enfants, l'appelle tonton, vous, vous vivez ensemble. Vous avez une confiance. Essayez. Essayez. Ne vous associez pas à créer une société, vous associez. Ce mois-ci, si on a construit une maison, c'est pour toi. Le mois prochain, on construit, c'est pour toi. Un, 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 un. Oh, oh, vous en avez dit cinq, cinq, cinq. Vous mettez en location, ça vous fait un petit sou là-bas. Vous partez en vacances, vous n'avez pas besoin de prendre de l'argent ici pour partir en vacances. Vous arrivez là-bas, vous avez de l'argent là-bas sur place. Vous profitez. Vos enfants grandissent, ils partent au soleil, ils sont là-bas. Et puis ça échange, vice-versa. Ça leur permet de connaître la culture africaine. Ayons des nouvelles. De, de, Allons-y après ce, ce. En tout cas, ce que Dieu va épargner et nous qui allons, ou, ou ceux qui vont rester, ayons notre vision de l'autre en face. Rentrons pas dans les provocations et puis des, des stupidités. Chaque fois, je le dis, de ces connards qui pensent défendre l'Afrique avec extrémité extrême wow, je suis défenseur qui n'ont jamais rien fait, c'est des menteurs ayant des vraies idées portées sur le développement coopération respect, éducation des vraies valeurs il ne faut pas que son ami européen se limite juste à porter un pagne africain mais encore plus loin à connaître l'histoire de l'Afrique sur ce bout, bout des doigts. Il n'est pas obligé d'aller au musée pour voir. Toi, tu l'amènes pour qu'il comprenne. Et c'est comme ça les gens vont comprendre le problème et qu'ensemble, on va pouvoir régler ce problème. Coucou de Joran. Joran, salut à toi. Ça va, mon petit Joran Salut. Mireille. Mireille, son nom est tellement long. Mireille, fais gaffe, si tu ne soulèves pas ta, ton nom, on va finir par marcher dessus. Son nom est tellement long, on dirait robe de mariée. Ça, c'est le magasins. ça. C'est comme ça, il faut voir. Voilà, l'occasion YouTube Ben. Voilà quelqu'un, Flo. D'ailleurs, Flo, tu sais quoi il faudrait laisser en privé parce que je connais en Côte d'Ivoire, on cherche camion Ben. Si vous en avez, on cherche d'occasion pour acheter. Parce qu'on est sur notre projet, on est en plein récolte et on n'arrive pas à trouver de vrais camions. On tombe sur des gens escrocs. Si vous avez eu la possibilité d'amener, peut-être on pourra faire affaire avec vous. C'est du côté de la Côte d'Ivoire, plus proche du Ghana. Envoie-moi en privé avec ton mari, envoyez votre message, on peut peut-être avoir un marché à développer ensemble. Voilà des trucs qui font avancer l'Afrique, mais pas des connards qui insultent. Voilà des, des choses, des gens qui ont amené des trucs et ça marche très bien. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avocats tordus qui ne pensent que à leur gueule. Faites des vrais projets, des vrais partenariats. Ne restez pas dans les grandes villes seulement quand vous allez en Afrique. La campagne a besoin de vous. C'est la campagne qui nourrit la ville. Dans les Landes, il y a des gens, qui, des agriculteurs qui ferment les livages. Qui ferment leur, leur exploitation, ils vendent des tracteurs. Il suffit seulement que les gouvernements donnent l'ordre aux douanes, aux commerçants, aux ports autonomes, en disant tout ce qui est matériel agricole pour le développement de l'agriculture en Afrique, pendant cinq ans, tu ne dois pas payer de taxes. Tu ne peux pas amener l'ambulance dans un pays africain, on te demande de dédouaner de l'ambulance. Or, oh, l'ambulance, c'est pour aider. C'est ça nos combats. C'est les extrémistes à la con en train d'insulter les blancs là. C'est à ces extrémistes là. Il faut mettre dans votre tête que les ambulances. Il faudrait faire tout pour que les ambulances arrivent en Afrique sans qu'on taxe les voitures de pompiers. Je vous dis quand ils, ils ont trop de kilomètres, ça se revend aux enchères ou machin. C'est de permettre de monter des projets avec des villes, avec des régions, avec le Conseil général, pour que ces, ces voitures de pompiers qui sont encore bien révisées retournent vers l'Afrique et que les gens puissent à la campagne faire. Parce que souvent, c'est tout neuf, quasiment. Voilà des idées qu'il faut avoir au lieu de passer son temps à aller sur les réseaux à insulter les gens. Des actuellement, des Africains qui sont à Paris, qui sont en, dans les grandes villes, qui souffrent. N'oubliez pas qu'à une de vous, il y a des paysans, des fermiers. Le fils ne veut plus reprendre l'exploitation. Il y a des fermes agricoles qui sont abandonnées, que quelquefois même les gens donnent. Il y a des campagnes, il n'y a plus personne. Comme il n'y a plus personne, les écoles ferment, les commerces ferment. Même pour être maire, on te demande pardon pour être maire dans ces villes. Investissez-vous, rentrez dans ces genre de choses. Vous qui avez envie de faire de la politique, soyez maire dans ce petit village. Et après, quand vous êtes maire, que votre village tourne, faites des partenariats avec votre village d'origine. Pour échanger chaque année, des gens vont voir, des paysans vont racheter de ces vieilles fermes, des corps de ferme. Reprenez l'agriculture, l'élevage. Vous pouvez être noir, être éleveur ici. En Guyane, il y a un jeune malien, il produit tomates, manchants. Il est multimillionnaire. Il fait du gombo, du tomate, il fait tout. Un Malien qui a acheté là-bas. Et il a des, des, des aides, des aides de l'Europe. Il a aussi des, des trucs d'impôts qu'il ne paye pas. Parce qu'il s'est impliqué dans la terre. Ça, les gens ne connaissent pas. Il faut vous renseigner. Vous avez le droit. Comme ça, le paysan, il est content que ça ferme, qu'on recontinue. Ça fait du lait, c'est bio. Ça fait, il y a des trucs. Et tu as de l'espace pour élever tes enfants, pour les amener loin. Voilà des projets. Mais ce pas des projets d'aller sur des sites Internet, d'insulter un tel. L'autre, il a couché avec ma femme. L'autre a couché avec ma soeur. L'autre a couché avec ma mère. Arrêtez ça. Nous, les Noirs, arrêtons ça. Comment quelqu'un peut me dire Oui, ben, j'ai couché avec euh, la femme de mon meilleur ami ou bien la femme de mon frère Qu'est-ce que vous, vous avez dans la tête Et c'est ceux-là, vous ne les insultez pas. Ceux-là, vous ne les traitez pas. Ceux qui veulent bosser, c'est eux vous insulter. Est-ce qu'ils sont, ils sont bien dans leur tête Il y a la douane qui fait des enchères. La douane française. Assistez à ces enchères sur Internet. Achetez des trucs qui sont neufs. Impliquez-vous en Afrique. Ne donnez pas à votre frère bâtard ou un frère machin qui va bouffer votre argent. Allez-y, impliquez. Parce que demain, vos enfants, ils seront étrangers dans leur propre pays. Moi, Personne, quand je viens en Côte d'Ivoire, je prends un visa, vous vous rendez compte. Mes enfants vont faire quoi dans 20 ans Ils vont aller demander une carte de séjour dans leur propre pays. C'est ça, ça les interrogations, c'est ça des débats sur Internet, c'est ça on doit parler. Quelqu'un qui envoie des camions, des tracteurs pour aider les paysans qui sont en train de faire une exploitation, qui amène. des... On te demande quand tu achètes du porc ici, ou des oies ici pour aller en Afrique pour élever pour donner à manger à nos frères, on te demande de payer des taxes. C'est quoi ça? C'est pas normal. C'est pas normal. On ne devrait pas payer des taxes dessus. Si tu envoies une Ferrari proche pour aller frimer, paye. Bah ben oui. Mais quelqu'un qui envoie l'ambulance, un tracteur, il ne va pas conduire le tracteur dans la grande ville pour aller en boîte. Il va pour faire de l'exploitation. Quand il va produire. Mais celui qui est sur son pays, il va payer des taxes. Mais celui qui n'est pas son pays, on passe en business, lui, on le laisse passer. Ce n'est pas normal. Et après, on parle, oui, mais c'est le blanc. Oui, c'est ceci. C'est nous. C'est nous. Quittez quand vous avez la possibilité. Celui qui n'a pas les moyens, je comprends. Monsieur travaille, madame travaille. à partir de cette histoire-là, quittez les HLM-là, ils vous plague avec vos trucs que vous êtes en train de vous prendre la tête avec APL, AP, APL, APL, laissez ça. Allez-y à la campagne. La vie est agréable, vous payez moins cher, la terre, là, le truc vous appartient. Souvent les gens disent, oui, mais moi, je n'ai pas envie de payer des impôts. Quand tu travailles, tu payes des impôts. C'est qui qui tourne rien. Vous avez compris quelque chose C'est les paysans. Voilà, il passe son, son tracteur, il est tranquille. Arrêtez, oui, si je travaille trop, j'ai trop d'argent, je paye des impôts. Payez des impôts. Payez des impôts. Si ta vie est agréable, paye des impôts. Je préfère payer des impôts, envoyer mes enfants dans des bonnes écoles, avoir une bonne situation, manger bien, être libre, que de dire non, si je travaille trop, je vais payer les impôts. Arrêtez. Non, je vais économiser, j'ai amené mon argent au pays. Tu fais quoi avec ton argent au pays Investissez, investissez ici. Quand ici tu es lourd, là-bas tu es lourd, tu es tranquille. Mais quelquefois que tu vas investir là-bas, une guerre, ce n'est pas stable, tu as tout perdu, tu reviens, tu es en galère. Investissez ici. Quand vous avez une bonne base ici, vous pouvez tout faire en Afrique. Vous pouvez tout faire en Afrique. Chauffeur-livreur, il y a des gens des Noirs qui ont des sociétés de livraison, de sécurité, de tout. Ils sont tranquilles. C'est les tordus qui ne veulent rien faire, qui, qui nous foutent la merde. Et on nous dit on nous dit que nous, on se ressemble. C'est eux. C'est tout un rame, ah, ben mais c'est eux. Mais respectez-nous. Respectons-nous aussi. Donne pas la possibilité aux gens de nous foutre la merde. Voilà une femme avec son mari, elle est blanche, je crois, je suppose, Flo. Elle est blanche avec son mari béninois, ils font le truc. Souvent aussi, quand les gens font, il fait avec sa femme blanche, il arrive là-bas, et trouve une femme là-bas, il la laisse tomber, et puis ça fout la merde dans le truc. Tu prends ta femme blanche, vous investissez là-bas, c'est ta femme, reste avec ta femme, fais tout avec ta femme. Dans la difficulté, il était avec sa femme, dès qu'il commence à avoir de l'argent, il y a des connards parmi nous, et puis il laisse tomber sa femme qui l'a aidé à gagner de l'argent, et ça fout le truc en l'air. Ou bien c'est le contraire. Ton mari t'a soutenu. Dès que le truc marche, elle s'en prend un, un couillon et puis ça fout le truc en l'air. Il y a ça aussi, il faut dire la vérité. La personne avec qui tu as traversé la mer, une fois que vous arrivez sur la terre, vous devrez continuer. Reste avec vos hommes pour bâtir quelque chose pour vos enfants. Le gars, il arrive en Afrique. Il trouve une autre femme, sa femme qui l'a aidé ici, il l'oublie. Ou bien la femme, son mari qui l'a aidé ici, elle l'oublie, elle s'en prend un tordu. Au bout de trois mois, c'est fini. Vous avez tout foutu en l'air à cause du, du cul ou bien du machin. Non Voilà, Flo, elle est contente. Flo, tu es bien. Tu es bien. Reste à ton mari. Fais-lui fais -lui des gosses. Fais-lui des gosses. Regarde même pas la couleur de. Pour faire lui des gosses, tu arrives là-bas, sois ferme, si tu le vois sortir, tu l'attrapes, viens ici, tu aimes ton homme, mets-lui un cadenas, tu achètes un coffret, bon 45 cm. Un béno, non non, c'est trop long quand même, bon diminue, tu enlèves le tout, tu mets dedans, puis tu fermes, quand tu veux utiliser toi-même, tu enlèves, comme God Michel là, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Restez quand vous vous impliquez avec votre femme, vous allez lutter avec votre femme. Restez parce que ou bien votre homme, parce que le jour où ça va pas, c'est là vous revoyez la maison de retour. Elle a mis son espoir sur toi. Vous êtes parti au Bénin, il faut qu'elle soit dedans. Il faut que toi et ta femme vous soyez comme ça, monter des sociétés, monsieur, madame. Un homme est fort quand il y a une femme forte derrière. Voilà. Mais il va arriver au Bénin, pas lui hein. Certains ils vont arriver en Afrique, ils voient une autre femme. Sa famille lui donne une autre femme. Laisse tomber ta blanche et puis laisse tomber. Pourtant, c'est elle qui, 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 qui l'a soutenue. Souvent aussi, les femmes blanches aussi, vous arrivez en Afrique. Dès que vous voyez encore plus long que celui que votre mari a, vous laissez tomber. Arrêtez ça. Mords-le. Vous êtes... Je ne comprends pas les chiens. Est-ce que... Ou bien c'est moi qui ai un souci. Vous êtes cinq chiens. Tu ne préviens pas. On dirait les policiers. Ils mettent sirène là le voleur s'en va. Vous aboyez avant d'aller vous mordre le gars. Il s'en va. Mordez-le et puis après vous aboyez. Oh, confinement, les gens viennent pas chez les gens. Vous m'emmerdez. Chaque fois, je dis ça, mais il y a des gens qui habitent là. Quand ils vont les mordre, je vais avoir des problèmes. C'est la vérité. Quand tu montes un projet avec ta femme, elle va arriver en Afrique, elle voit un homme, elle s'en va. Ça dure deux semaines et puis c'est gâté. Tout ce qui est coquification, des mauvais trucs, vient détruire la société. Elle veut sa part. Ou bien tu veux un associé dedans, ou bien la secrétaire, le monsieur va coucher avec la secrétaire et puis c'est gâté. Ou bien la femme va coucher avec le jardinier qui, qui ne ressemble à rien parce qu'il est bien monté. Ça fout tout en l'air. Les enfants se divisent et puis tout tombe. Arrêtez ça. Les femmes, vous aimez trop ça. Les hommes, vous aimez trop ça. Arrêtez. Vous souffrez ensemble. Vous devrez être ensemble. Vous avez commencé ensemble, restez ensemble à la retraite, en train de regarder vos enfants, vos petits-enfants jouer, vous êtes ensemble, main dans la main. On dit, on s'est battu toute notre vie pour avoir ça. Et ça, c'est une fierté. Commencez pas à vous de séparer, machin. Et la même chose pour mes frères et soeurs entiers. Allez-y en Afrique. Allez-y. C'est chez vous. Avant, on vous a amené, vos, vos ancêtres, vos grands-parents. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de retourner. On vous attend là-bas. Là-bas, c'est chez vous. Venez. Il y a des bouts de terre pour vous. Vous qui êtes mariés avec les femmes africaines, bien, vous êtes mariés avec les hommes. Allez-y. Ceux qui sont mariés entre entier, entiers, entiers allez-y, on vous attend. La terre vous appartient aussi. Allez-y. Allez-y. Rentrez. Ou allez-y aux Antilles. Prenez des terres. Créez des trucs. N'attendez pas qu'on fasse à votre place. C'est fini ça. C'est fini. Plus personne nous vend nos gombos. Nous-mêmes, on va vendre nos gombos. On va le faire en purée, en pâte d'antifrice. C'est notre problème. On fait ce qu'on veut. Oh, toujours, 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 toujours. Il faut qu'on vous parle sur Internet. Ça me fatigue, mais je vous aime. La bataille, là, il y il est en train de parler. Biscuit là. Au moins, non. Disons-nous la vérité, on vous aime. Celui qui a des tuyaux, des techniques, qui a fait un truc, ça marche, donnez aux autres. Ne gardez pas pour vous. Flo, toi et ton mari, écrivez-moi en privé. On a besoin de vous là. Là, dans les semaines à venir, là, on va essayer de travailler ensemble. Vous êtes au Bénin, on en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. On a besoin de vous. C'est fou tout. C'est comme ça qu'on doit travailler. Facebook, ça doit être ça, les relations. Ne venez pas sur mon Facebook pour draguer une femme pour aller et puis on revient en drague. Non. Faut draguer pour faire du business. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui ont 4, 5 boulots, des femmes, des infirmières. Elles sont à leur compte ici. Ça existe. Qui s'occupent des, des femmes, de tout. Elles ont des sociétés de ménage, ça existe. Il y a des combattants, il y a des gens. Votre agent, investissez, achetez. Ils ont des sociétés, vous restez dans leur HLM là, laissez-le leur HLM. Achetez votre maison. Ah, même, quand tu fais pipi à minuit, on dit ne pas tirer la chasse d'eau. Tu n'es pas libre. Les voisins, tu prends l'ascenseur là. Quelqu'un qui veut la pisser dedans. Toi, tu rentres dedans. Tu as ta maison, quelqu'un peut venir pisser devant ta porte. Non. Tu as ta liberté. Tu as ta liberté. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les, dans les maisons, les petites maisons, sont à plusieurs confinés. Tu peux pas faire barbecue. Si, maintenant, c'est interdit même à Paris de faire barbecue sur ton balcon. Si la fumée descend sur ton voisin là, en bas on appelle la police. C'est quoi cette vie tu ne peux pas profiter du soleil en faisant barbecue, non. Prenez vos maisons à la campagne. Au lieu de rester à Bidjan, à Dakar, allez-y dans les villages. Vous êtes tranquille. Mouche bata là, toi, tu viens chez moi et puis tu. Tu vas me provoquer, tu vas te taper, tu vas mourir. Il ne faut pas me faire faire crime. Hein. C'est tout. Yo, Gauthier, on est ensemble. Je ne sais pas c'est quoi les symboles que tu as mis là. Un côté, tu m'as tiré dessus. Il y a une canette de coca. Il y a une flèche qui monte là-bas. On dirait que tu es en train de traduire pour les sous-muets. Balèze, cool. Je ne comprends rien. Yo, Ngoti, on est là. Continuez, continuez, continuez. Partagez les vidéos. Où on rigole, on s'amuse et puis on avance. Parce que le monde a besoin qu'on avance, nous tous. Tu es en Afrique, tu produis, des, tu produis des choses, ça va nourrir les gens en Europe ici. Ça vend, tu viens toi-même, si tu as fait, vous avez fait commerce international et puis vous ne vendez rien du tout, vous êtes assis à la maison. Flo, ton mari là-bas, le tout tourne, commerce international. Toi, tu cherches des marchés ici. Souvent, vous êtes acheteur de... Euh, vous êtes un négociateur, négociant à, dans les grands magasins et tout. Négocier pour vendre vos propres produits. Vous travaillez à la pharmacie, vous prenez un peu de quartier, négocier pour vos produits. Soyez vos propres patrons. C'est ça qu'il faut faire. Mais moi, Yali, moi, moi depuis tout petit, j'ai toujours parlé. Moi, que ça blesse quelqu'un, j'en ai rien à foutre, frère. Ça me. J'aime tellement la réussite des gens. Souvent, j'arrive quelque part, je vois quelqu'un qui a réussi. C'est un modèle, je suis content. Ici, ici, là, les, les paysans, quand ils me voient, ils sont contents parce qu'on discute, on parle, j'aime apprendre, ils sont contents. La vie est tellement agréable, il n'y a pas une partie de cette planète où ce n'est pas beau. La vie est tellement agréable, les gens se compliquent la vie. À se prendre la tête pour des imbécilités. Vous avez vu la magie des choses on peut se parler, se dire des choses. Quelqu'un a une idée, l'autre peut partager l'idée. Mais en fait, on passe notre temps à faire du négatif on sort on en sort d'église, on s'en prend le mari de l'autre, on prend la femme de l'autre pour gagner quoi Pour juste du sexe. Ça fout le bordel et les conséquences sont encore plus graves, ça divise les familles, les enfants grandissent d'un côté sans le papa, sans la maman et puis on est content et on parle de Dieu. Non. Soyons sincères. Le matin, tu te lèves, bon business. Tu as bien mangé un bon plat, ta femme. Vous êtes là, vos enfants, tu les vois, ils sont à l'université, tu leur donnes des chances. C'est ça, ça ta vie, il y a un sens. Mais ton père a demandé. Toi, tu demandes. Ton enfant va demander. Ses petits-enfants vont demander. Est-ce que c'est normal C'est quoi votre passage sur cette terre Rien. On ne te respecte pas. Mais quand vous allez en vacances et que la maman sort la carte bleue de la famille, maman on veut des glaces, prenez. On veut aller dans hôtel 5 étoiles, tenez. On veut acheter une voiture, tenez. On veut manger des trucs, tenez. Parce que vous êtes libre économiquement. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez votre truc à vous. Diffuse où tu veux, Baïla. Bah, 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 Diffusez, moi je m'en fous. Je n'ai pas le monopole de tout. Ce que je dis ici, si ça bien, ça peut aider les gens. C'est ça aussi, on apporte sa contribution à l'humanité. Diffusez, traduisez dans les langues que vous voulez. Ça me fait mal que tous les jours on fasse des vidéos pour dire des conneries, pour insulter. Des adultes qui insultent les enfants en deviennent quoi J'entends des parents qui disent hey, "Ta gueule, on ne dit pas des gros mots." Mais il a dit ta gueule, on ne dit pas des gros mots. Nous ne sommes pas des modèles pour cette société. On veut diviser. Toi, tu es blanc. Toi, tu es noir. On sait qu'il est blanc. On sait qu'il est noir. Et alors Soyons sincères. Non, je suis star. Tu es star de quoi? Stade de quoi? Quand tu es malade, on t'a déshabillé, tu es allongé là où tu es mort. Tu es star de quoi? Tu es star de rien. Tu es un être humain qui doit apporter sa contribution à l'évolution de l'humanité. Point. Avant toi, il y a des gens qui ont existé. Si aujourd'hui tu vis, tu manges, tu portes des lunettes, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé et qui ont créé. Toi aussi, tu dois créer. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande rien d'autre. Fais ça seulement déjà, ce n'est pas mal. Disons-nous les vérités. Hier, quand j'ai dit, je me suis fait mal là. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont dit, personne, il faut mettre ça, il faut faire ceci. Il y a des femmes qui disent, dit, personne, on veut te masser. Ça, c'était pour toucher mon corps. On te masser. Ça, j'essaie d'où elles vont elle partir. Mais des gens m'ont donné des idées. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai appris des choses. Aujourd'hui, je parle de voiture. Flo a dit, moi et mon mari, on bénit on fait des choses. Et effectivement, nous, on a besoin actuellement, on est en pleine récolte. Vous avais vu que j'ai posté, des, 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 des nous, ce qu'on fait en Afrique, là, sur le truc, j'ai posté, on est en pleine récolte, on a besoin. Le jour où j'ai posté, même des plantations, il y a une personne, une dame, une femme, qui écrit, bah, de toutes les façons, ce genre de choses, ça se fait déjà en Afrique. Mais on ne t'a pas demandé ça. Sur mon Facebook, j'ai le droit de poster. Même si on fait, il y a plein de boulangeries dans toutes les villes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas créer une autre boulangerie. Il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. On n'a on a plus besoin de tout ça. On a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. La vie, elle est tellement agréable. Tu as besoin de quoi Tu as mangé, tu es rassasié, tu, tu as rigolé, tu t'amusé, tu vas dormir. Et puis le lendemain, c'est la même chose. Notre vie, la vie, elle est très, comme ça. C'est comme ça. Mais si de temps en temps, tu peux mettre de la, quelque chose d'agréable dedans, mais. Moi, mais... Bon, quand je finis de vous parler, je vais sur Instagram, je parle aux gens. Le TikTok ou bien TokTok, là, nous tous, on est dessus, dessus. Je fais, je dis des conneries, les gens, ça les détend. Et puis, on avance. Mais quand il faut pas être sérieux, je parle sérieux. Quand il faut parler de business, je parle de business. C'est pour ça que les gens ne veulent pas, ils ne disent pas que personne n'est dû en affaires. Moi, je suis dû en affaires parce que je veux des affaires propres. Je ne veux pas quand c'est tordu. j'aime pas les trucs tordus. J'aime le business. Investissez. Investissez. Échangez. Tu as quelqu'un qui a un restaurant. Toi, tu vends des bananes. Tu le proposes. Mais quand tu as proposé à ton propre frère, il va dire, non, 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 j'ai déjà quelqu'un qui me vend. C'est quelqu'un d'autre. Aidez les gens à acheter à la campagne. Acheter à la campagne. Il y a plein de fermiers qui vendent leurs tracteurs. Tout parce que leurs enfants ne veulent pas reprendre l'exploitation. Les noirs pouvaient être paysans en France et les vins en France. Tigana, il, est, il, il fait du vin. Oui, la restauration est due, mais il y a d'autres formes de trucs. Il y a plein de trucs qu'il faut créer pour rénover. Pour, voilà. Moi, je fais du théâtre, mais nous, on a pensé, on fait des trucs, on pense. On pense. Du pognon, tu peux t'en faire si tu as ça là. Ça là. Si tu as ça là, tu peux. Voilà. Voilà, voilà quelqu'un, ils sont en contact avec des primeurs locaux. Vous travaillez, bonjour, ça va, oui. Donc tu achètes, tu récupères. Pendant ce temps, vous avez fait école, école de marketing. Vous avez fait école de stratégie. Il y a tellement de... Vous avez fait toutes les écoles. Et puis vous êtes là, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent, je suis au chômage. Tu demandes, qu'est-ce qu'il fait Il dit, je suis un génie électrique, génie civil, génie machin. Oh, pardon, pendant ce temps-là, on cherche même des génies là-bas. Il y a des gens qui ont passé CAP de sorcellerie. CAP de sorcellerie. Ah. En tout cas, moi j'ai dit ce que je pense. Continuons. Continuons tranquille. Moi, si les gens veulent qu'on travaille ensemble là-bas, ici, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, après confinement, nous, tout ce qui est location... Maison, colloque, machin, avec notre équipe, on est dedans, on, a, on, a, on, on rentre dans les petits secteurs, machin, ben venez, on travaille ensemble. Tu es banquier, tu as du pognon, tu n'as pas, tu ne sais pas quoi faire de ton pognon, viens, nous on a les idées, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, mais correct avec des vraies règles, c'est pas, viens pas m'emmerder, hein, machin, des tordus, j'en veux pas. On pose, au bout de 2, 3, 4 mois, un, on a pu faire ça, on a eu ça, on a gagné ça, on a fait ça, et puis on avance. Il n'y a pas de souci la porte est ouverte moi j'aime le bide parce que je pense pour mes enfants et mes petits-enfants il y a des gens sur cette terre ils ont garanti la vie de leurs enfants de leurs petits-enfants de leurs arrière 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 petits-enfants euh, ou bien avant ah, oui, je ne sais pas comment on dit petits-petits-petits-petits-enfants au moins 20 générations ils sont ceux qui ne seront pas pauvres il y a des gens qui ont garanti ça nous-mêmes, on ne sait même pas garantir notre repas de lundi. Donc, réfléchissez à ça. Il y a des gens, leurs petits-enfants, mes petits-enfants, machin, nanana. Sur 20 générations, ils sont sûrs d'une chose, ils vont manger. Nous, là, on n'est même pas sûrs que nous, on mange lundi. Donc, pensons. un moment, tu travailles pour tes enfants. Après, tu dis, faut que je pense aussi aux petits-enfants. Et puis toi, tes enfants, eux, ils vont travailler pour les petits-enfants, ainsi de suite. Tu travailles au moins pour deux générations. Pour avoir ça aujourd'hui, ton salaire seul ne peut pas faire ça. Disons des vérités. Déjà, quand à la fin du mois, quand on t'a fini de payer, tu as fait ta pêche, toutes tes dépenses, tu n'aurais rien, tu as moins. Avant, tu étais à zéro. Maintenant, tu as moins. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Donc, pas stratégie, les idées, les machins, les buts, les pubs. Tout le monde n'est pas obligé de rester en France. Tous les monde ne peut pas... La terre, voilà. N'allez pas dans des pays où on frappe les gens. Ça, je ne conseille pas à quelqu'un. C'est tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. N'écoutez pas sur les réseaux sociaux les tordus. Quand quelqu'un insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux, insultez-le aussi. Soyez solidaires pour le dégager. Suivez vos réseaux sociaux nettoyés. Si vous entendez quelqu'un qui insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'endroit où on insulte quelqu'un. Si tu es un homme, va le frapper où tu veux. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas pour la violence, pour diviser et tout ça. Mettez dans la tête déjà. Rien que ça, on aura nettoyé ça, là, les mentalités. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous. Si j'ai un peu de force, peut-être j'ai fait un direct ce soir. Mais en tout cas, j'irai sur Instagram. J'ai mon TikTok là. Voilà. J'ai mon TikTok. Donc, voilà. Nous, on veut faire du business. Si vous avez les, des, des, des techniques, des tuyaux, vous avez les moyens, vous cherchez des idées, on peut. On vend des idées. On va vous donner des idées. On va vous aider. On va vous conseiller. On va vous dire. Ce que nous, on a fait, ça a marché. On va vous conseiller. Ce que vous, vous avez fait, ça a marché. Vous nous conseillez. Voilà, échange de procédés. Et puis, c'est tout. On avance. C'est ça qu'on appelle le business. C'est ça, le business. Allez. Que Dieu vous bénisse en ensemble. La foi Ceux qui sont nés aujourd'hui, bon anniversaire. Ceux qui sont, leur fête, joyeuse fête. Ceux qui travaillent, courage à vous. Ceux qui ne foutent rien en Les racistes de tous les bords, allez-y vous faire. Voilà. Nous on n'est pas dans le monde où vous voulez diviser là. Nous on divise rien. On va vous frapper maintenant. Vous allez comprendre. On ne divise pas. Si, euh, comment ils appellent? Baïal, baïala, écris-moi en privé. Si tu veux partager, il n'y a pas de souci sur ta chaîne de télé. On t'a plein. Il y en a plein, tu vas apprendre pour faire. Si ça peut aider les gens à, à être un peu plus intelligents, ça ira beaucoup mieux. D'accord? On est ensemble. Flo, toi et ton mari, écrivez-moi. Voilà. C'est comme ça. Tu vois, tu as ta télé, la TV, tu ta télé. Nous, on est fait des séries. De temps en temps, tu nous donnes un petit billet, on te vend des séries, tu mets sur ta télé, tu fais de la pub, tu vends des pubs, tu gagnes de l'argent. C'est comme ça, les télés, nous, on, 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 on te donne du contenu, tu nous payes nos contenus, et puis toi, tu, tu diffuses, et puis voilà, tu gagnes de l'argent, nous, on gagne de l'argent. Mais on ne peut pas te donner des trucs gratuits, toi, tu te gagnes un euh, machin, et puis nous, on n'a rien. C'est pas comme ça. Tu as ta télé, on t'envoie des trucs. Ça là! Ce qui est là, là, tu peux prendre gratuit. Mais après, si tu veux des skates, tu veux des petits trucs, ça fait dynamiser ta télé. Et puis demain, toi, après demain, ta télé devient une grande télé. Tu embauches les gens et puis nous tous, on est contents. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Christine, salut à toi. Salut. Voilà. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, 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 merci. Merci. Voilà, je vous embrasse. Amen.